Je vous le disais donc, Gérald Darmanin est en visite de travail au Maroc. Le ministre français de l'Intérieur est arrivé hier à Rabat à l'invitation de son homologue Abdelwafi Leftit. Leur entretien en tête-à-tête a été suivi d'une réunion de travail élargie. Les deux ministres ont passé en revue les questions d'intérêt commun et examiné également les moyens de renforcer davantage la coopération pour la mettre au diapason des attentes de Sa Majesté le roi Mohamed VI et du président français Emmanuel Macron. Cette rencontre s'est donc tenue en faveur d'un partenariat stratégique d'exception basé sur l'amitié et le respect des intérêts mutuels. Je vous propose d'écouter le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Mon déplacement s'inscrit dans le cadre de la dynamique actuelle que vous observez dans tous les domaines de relance de la relation bilatérale entre le Maroc et la France. Plusieurs de mes collègues du gouvernement se sont rendus au Maroc au cours des 3 derniers mois et d'autres viendront dans les prochaines semaines. Notre ambition dans chacun de nos secteurs est d'écrire une feuille de route bilatérale ambitieuse pour mettre évidemment en relief l'objectif de nos deux chefs d'État, qui est celui d'un profond renouvellement et d'une modernisation résolue de la relation franco-marocaine. Pour renouer réellement une relation d'intimité stratégique et d'amitié, puisque tel est notre objectif, il n'est pas possible de se contenter des vieilles habitudes et des anciennes méthodes. Le monde a changé, le Maroc a changé, la France a changé. Nous avons donc besoin d'un nouveau logiciel.